Alors là, on va se faire vraiment une écoute très charnue, parce que c'est là où justement les Kenwood, elles ont cette puissance. Bon, je ne sais pas si on s'en rendra compte au micro, hein, comme je vous ai dit, je ne vais pas pousser fort. Mais du coup, je vais mettre une improvisation avec un solo de batterie. Et voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner sur les deux. Parce qu'à savoir que là, on est en pleine découverte aussi, parce qu'on n'a pas fait on les a pas écoutés avant pour faire avec cette écoute-là de l'impro. Voilà, donc c'est parti avec les Infinity SM 255. Porte qui est graissée, qui est non graissée. Thank you.
Là, les amis, je vais pousser un peu le volume, même si le micro est saturé, pour voir un petit peu le rendu un petit peu plus fort, vous allez voir. On est toujours sur les infinitifs. D'un feu d'artifice. Donc là, on a fini avec les Infinity en dernier lieu à la vidéo. Ouais, ça m'a perturbé là. Mais est-ce que vous avez ressenti le. Là, quand j'ai monté le volume, à la fin, c'était. Les Kenwood, ça, c'était sec quoi. C'était sec en fait. Voilà, il y avait rien d'autre à dire. En tout cas, nous, c'est le ressenti qu'on a. Et en plus, j'étais sur la moitié du volume au niveau du pré-ampli, mais on pouvait encore pousser en fait. C'est ça le comble de l'histoire. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer aussi sur quel ampli ça a été utilisé. Je vous montre quand même. Hop, donc c'était en utilisation donc sur le Rotel RC1550, donc il n'est pas un ampli. C'est pas un ampli qui est dynamique pour autant, il est plutôt doux. Hein. C'est vrai que j'aurais mis le Yamaha C6 dessus, ça aurait été encore autre chose. Mais on a quand même un bon résultat et on avait donc le fameux Luxman M383 en ampli de puissance. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous a plu cette petite improvisation, complètement improvisée d'ailleurs, et c'était vraiment, même nous on a pris beaucoup de plaisir à la maison, là, on tapait limite du pied avec l'écoute avec cette impro. Voilà, allez, ciao ciao, à bientôt.